ce que ça donne. Donc on est parti, game de Riven, dernière game de cette petite session de stream. Et cette fois-ci on va essayer de gagner parce que casse les couilles. On a choke tout à l'heure, on a gagné la deuxième game, notre lane, mais on perd la game. Là c'est le moment où tu gagnes ta lane et tu gagnes ta game. Parce que, marre. Donc putain, ça fait deux ans que je pars regarder la B, vraiment. Du coup salut à toi X, Yves, j'espère que tu vas bien. Je passerai un agréable moment devant ce beau jeu. Donc c'est OP décret sur Riven, je sais pas, mais j'ai regardé les builds de Riven, en général ils prennent des décrets. Donc let's go. Attends. C'est incroyable. Juste après ce truc, je jure, je suis chez le coiffeur. Parce que là, je peux faire des trucs, c'est pas possible, hein, vraiment. C'est un full cauchemar. Eh, je vais stream comme ça. Oh ouais, je vais stream en emo, tiens. Aujourd'hui, je stream en full emo. Peut-être que ça me donnait du skill de ouf d'avoir l'air d'un emo comme les joueurs asiatiques. Et juste après, c'est Gibbs. Gibbs de Détroit, il est encore plus low que moi, c'est incroyable. Mais il va remonter, je m'en fais pas. Putain, mais c'est impossible, je vois rien, c'est trop chiant. Putain, mais comment les mecs font pour avoir leurs cheveux comme ça, c'est trop désagréable. Attendez. Mec, c'est un enfer. Vas-y, tant pis. On va être full asiat aujourd'hui. Salut. Salut, aujourd'hui c'est l'herbe et les mots. J'aime pas la vie, c'est chiant. Ouais. Du coup je joue Riven pour tuer des gens et me sentir mieux. Parce que être emo c'est bien. Le mec dérangé de ouf. Ouais, là ça fait un peu moins, mais ça fait déjà un peu ça fait déjà un peu blédard, mais un peu moins. Ouais, allez c'est bon. Oh là ça fait totalement blédard. Oh là ça fait full blédard, c'est bien. Et ça fait toujours emo, donc du coup j'aime encore pas trop la vie. Ah si il me tue je me taille les veines en vrai. Oh non. Voilà le décret qui poque. Oh non. Aïe aïe aïe. Le coup dur, le coup dur. Une petite potion vite fait. Il va passer le level 2 avant moi je pense. Oh non c'est bon. Je vais garder mon E. J'ai tiré ma première potion et je vais essayer de lui mettre une pression maintenant. Donc il a gagné la game d'avant, ouais, je fais 29 un truc comme ça je crois. C'était pas mal. Donc maintenant si tu me connais, tu regardes le 0. Tu retires le 0 et t'es bien. Pas mal, bon trade. Donc faut oublier que j'ai ignite moi. Là ça peut être un timing gang, donc ça peut être très chiant. Et j'ai pas d'infos sur le Lil Sin. Donc je vais pas utiliser mes dashs, juste les garder pour au cas où si le Lil Sin arrive m'escape. Il faut que je fasse très attention au taunt aussi. Parce que là s'il met un taunt, c'est sûr que ça veut dire que Lil Sin est là. Faut juste celui-là. Oh putain. Ouais, j'ai utilisé mes dash, je suis un connard. Tu vois, là ça aurait pu être un timing absolument horrible. Parce que j'utilise mes 3 dash. Si le Lil Sin arrive sur moi, je me fais tuer. Donc je vais mettre une ward ici. Et je me sentirai mieux. Voilà, là je me sens déjà beaucoup plus libre. Je commence à reprendre goût à la vie. Ouais. Oh putain. C'est beau un ninja quand même. Pourquoi je suis pas beau comme un ninja comme moi? Je suis moche et ma vie est nulle. Faut que je le tue pour me sentir mieux. Allons-y. C'est bien de faire les mots, putain. C'est marrant de faire genre d'être triste tout le temps. Après, t'as l'impression que quand il y a quelque chose qui va bien, tout va bien. C'est ouf ça. Donc, elle est où la maîtrise 7? Bah là, je suis sorti de mon smurf. Donc, j'aime pas la maîtrise 4. Donc, c'est compliqué. Ouais. Oh non. Oh. Nice. Je mets des coups d'épée. What the fuck mec les clichés. Ouais bah écoute hein, j'aurais des clichés sur tout. On fait les clichés sur les émos cette fois-ci. Attends. Quelle idée d'être émo. Play. Tu as perdu le gros. Tu es très déçu. Les ravages de la drogue. Cet homme est parti en Turquie pour essayer de faire un coup d'état. Il revient totalement bourré. Voilà le petit décret, le petit cuspel encore une fois. Il a beau avoir un petit level de plus que moi. Il a utilisé sa première potion. Moi j'en ai déjà utilisé deux. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. J'ai pas du tout le lycée. Je préfère reculer un peu là. Étant donné que là il n'y a aucune chance que j'aille le tuer.
Et la seule chance, c'est que j'aille me suicider. Mais en bon émo, normalement, je devrais justement prendre le risque. Mais ça va, j'ai la flemme. Go cliché sur les AZ. Oh, t'inquiète, c'est déjà fait assez souvent, t'inquiète. Y'a pas de soucis. J'ai avec Knight, flash, il meurt, nice. Mais ouais, je l'ai tué les gars. Oh. Oh putain, arracher la vie à quelqu'un c'est trop bien. Trop bien. Oh le P-L-A-I-Z-I-R-Z, ouais. Parce que je suis émo en plus, ça je sais pas écrire. Ouais. Trop bien. Ah. Non. Il va me taunt flash. Non c'est bon. Ouais. Trop bien. Donc que puis-je faire maintenant? Je vais partir sur ça. Je vais lui faire du mal. Ouais. Bien ça. C'est pas émo, c'est psycho. Ouais, same shit. Par contre j'ai perdu beaucoup de farm là. Dommage. C'est le rabbit, tu penses que tu vas revenir dans EC? Je sais pas. J'aimerais bien, mais bon, ça dépend du boss de la TVLOL quoi. C'est toujours le problème. Ouais, lui aussi, il a pris une balle. Oh. Il a explosé. C'est dingue. Ah, j'en avais pour qu'il fait comme ça. Ah, écoute. Le mode touriste ne fonctionnant pas, on est passé au mode emo qui a l'air de mieux fonctionner déjà. Donc, c'est cool. Voilà, le petit truc. Et voilà! Ouh là là, ça c'est du beau jeu ça! Donc c'est séché une perruque. Pas très gentil ça. Je vais me suicider. Oh nice. Il est quand même devant moi au niveau du farm, mais c'est pas grave. On va le soulever. Je ne sais pas où est Lee Sin par contre, ça peut être compliqué. Quand on va chercher. Ah non. Ah merde, j'ai plus de troisième saut. Dommage. Change ta coupe, ça met mal à l'aise. Ouais, c'est le but, t'inquiète. Les émos mettent mal à l'aise. Ne soyez pas émo dans la vie. Aimez la vie. C'est pour ça, là, je vous fais une petite démonstration de comment il ne faut pas être dans la vraie vie. Non, tu l'auras pas, mais. Merde, j'ai eu. C'est pas grave, je mets une bonne pression, je commence à lui faire très mal. La dague dentelée, c'est full OP. C'est encore mieux que les lames de rasoir, c'est dingue ça. Waouh. Oh non! Dur. Très dur. Mec, fais la coupe à Kameto à ce moment-là. Non. Mais je peux pas, j'ai trop de cheveux pour faire la coupe à Kameto. Il y a certainement Lee Sin. Non, il n'y a pas Lee Sin. Sinon, il m'aurait taunt. Oh, false. Putain, j'aime trop tuer des gens. C'est trop bien de tuer des gens. Bien entendu, je ne tue pas des gens en vrai. Hein. Genre, c'est des gens sur les jeux vidéo, c'est bien. Comme je ne suis pas émo en vrai. Hein. Genre, voilà. Ah non. Wesh, il s'est passé quoi là? Il est où le Zach? Il est mort là? Chiant. C'est très chiant. C'est très. T'es très moche. T'es très moche. Il va rater. Regardez. Hop, esquive. Non. La vie c'est nul. Pourquoi la vie c'est si nul putain? Vas-y. La vie c'est nul. C'est le moment les gars. C'est le moment de mourir. De se tuer. Ça risque d'être l'un des montages les plus nuls à chier. Attends, il faut que j'enregistre des trucs. Non, j'ai oublié d'acheter en plus, mon tant pis. Oh non. Je
Attendez. Oh merde, j'ai tout cassé. Oh non. Putain, c'était de la merde. Vas-y, c'est bon les gars. Ah. Désolé, tout ça pour cette merde. Oh putain, c'était nul. Incroyable. Non mais j'ai tout cassé là les gars. Attendez. Hop les, parfait. Voilà. Voilà, parfait. Nice, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Oh là là. Terrible. Putain, j'ai déjà 25 ans bientôt. Hein. Terrible, déjà 25 ans. Ah merde, il y a eu un don. Putain, un don pour ma mort, terrible. My donation. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu fais un cosplay de guerre refoulée turc. Turc, non. Non, je fais un cosplay de jeune emo qui en a marre de la vie. Le cliché du emo suicidaire, exact. Le cliché facile. Comment puis-je faire? En vrai, il est level 8 quand même. Ah, je suis level 9. Ok, je suis mieux. Je suis mieux, je suis mieux. Ah, allez, soulevons-les. La drogue, c'est en dehors du stream. Oh, dommage. Ah non. Par contre, le farming, j'avoue que j'ai pas trop focus, quoi, les gars. Je suis désolé. Mais ça va le faire, regarde. Hop, là, tout ce que tu fais, c'est. Tu t'approches, tu t'approches. Tu le bait. Ok. Je sais pas trop ce qui se passe là actuellement. Il a perdu le creep. Un petit décret ou pas? Esquive. Ah non. Il aime pas essayer de me taunt. Il joue de manière très passive en gros. Il essaie de farm et de molescale parce qu'il sait très bien que son champion au bout d'un va molescale. Donc il est pas con. Il est pas con mais. Ça se voit qu'il aime pas trop la vie pour jouer ce pic de soumise. Je pense qu'il est émo lui aussi. 100% émo. Par contre le chat il y a combien? 4-2? Pourquoi lui fait soulever dans mid? C'est embêtant. C'est très très embêtant les gars. C'est bien juste de quoi faire Tokyo Hotel. Oh quand même. Tokyo Hotel genre c'est... Non ils sont trop énervés Tokyo Hotel. Il faut des vrais émos tu vois, bien triste. A la limite tu vois du Kyo. Kyo à l'époque c'était bien triste tu vois comme musique. C'est en mode Kyo musique. Ouais Kyo c'était genre bien bien full émo. Ah c'était bien. Mais genre en vrai, genre j'aimais bien Kyo comme musique. Mais faut avouer qu'en y repensant, c'était full fragilité, full en mode je veux parcourir son corps tout ça. Bon ah ouais, après j'avoue que c'était un peu un pêcheur. Mais it's ok. C'était bien, c'était bien. Ah putain, j'arrive pas à farm. Tu penses que tu aurais pu pêcher Jill avec cette coupe de cheveux? Non. Genre non, j'aurais pas pu pêcher grand monde. Ok, pas mal. Forcément, quand tu joues sans TP, tu te dois d'essayer de mettre un maximum de pression sur ta lane. Genre, même s'il y a un décal de la part de ton équipe, c'est pas grave. Autant essayer de toi mettre la diff. Ok. Là, ici, les défenses en 4v5. C'est très très bien. Ma team, c'est les meilleurs. Hop là. Hop là, une auto-attaque, on push. Wesh. Non. Ah, c'est bon. Je pensais que ça avait bugué. Désolé. Je fais l'amour dans ta tête, hein, mec. Ça, c'est mon truc. Faire l'amour dans la tête des gens, c'est moi. Donc, non. Tu n'as pas le droit de me voler mon truc. Ça, c'est un truc de roi, tu vois. Faut rentrer dans la tête des gens. Et leur faire. Leur donner tes. Tes convictions, tu vois. C'est ça, être un roi. Ça, on est bien. Que puis-je faire? Je me bats dans sa jungle tranquillement. Il y a un red buff. Je pense que ça va arriver sans moi là. Ok, j'ai un peu peur. Ok, il a. Quoi? Je suis un dieu. Je suis un dieu. Yes, yes. Fuck life. Tu as juste un petit fuck life. Oh là 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 là. Putain, être émo, être bon au jeu vidéo, c'est incroyable ça comme truc. C'est fantastique comme escape. Oh là là là. Comme quoi, faut juste pas aimer la vie, donner sa vie au jeu, et après au bout d'un, tu arriveras à faire quelque chose. Le petit flouche qui a bien marché.
Il y a des gens qui disent chat, c'est des rageux. Tu vois, ça c'est la plèbe. Ça c'est les gueux, comme on l'appelle. Tu vois, c'est les rageux. Les gueux égale rageux. Hop là, on est bien. Donc, essayons de push. Je suis à 117 creep. Bon, ça rendait pas mal. Oh, il m'a ralenti. Bien joué à lui. C'est super utile. Donc, allons-y. Et là, maintenant, c'est le moment de décale pour essayer d'aider notre équipe. Oh, il a plein, lui. Il est mort par un piège, lui. Oh, ça, ça doit être l'un des moves, l'un des dives les plus répugnants que j'ai rarement vu. Ah oui. Ah non. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Non! Non. Super relou, les gars! Oh, le dieu. Merci. Merci. Ouais, le bon KS. Donc là, je suis déjà à 3-1. Après cette petite décale fantastique, le chien qui est supposé avoir son ultimate et sa TP n'a rien fait. Du coup, bah, les mots à gagner. La mort vaincra. Vive la mort, vive Satan. Ouais. Après, on va se faire un petit truc sur une table de Ouija. Entre mots, ça va être cool. Mec, on est parti des mots à sataniste. Parce que normalement, c'est l'évolution. Tu vois, il y a des stades d'évolution dans les grades. Les émos évoluent en sataniste qui ensuite évoluent en démon. Genre, c'est normalement le stade final de l'émo. Donc, si jamais vous êtes un émo, faites attention. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut mal partir pour vous, quoi. Tu vas te retrouver dans un rituel chelou. Tu vas commencer à invoquer des trucs. C'est mort. Ah non! Oh, les cons. Allez, go sur lui. C'est trop chiant ce pic. Tourne-toi. Aïe. Mais non, mais il tape plus. Mais pourquoi j'ai go avec lui? Vas-y, la vie, en fait, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde, c'est incroyable, ça. Je vais me tailler les... Oh, joli, beau jeu. Allez, c'est bon, on a ça maintenant. Je vais partir sur quoi? J'ai mes 45% de CDR. Par contre, je comprends pas ce qu'ils font depuis tout à l'heure sur la map. Ils se baladent tout le temps à 5 et ça marche. C'est incroyable, League of Legends. Genre, t'as pas besoin de jouer, t'as juste besoin de courir avec ton équipe autour de la map et tu peux gagner la game, c'est ouf. Ah ouais. Eux, c'est une vraie secte en face. Ça se voit, ils sont là, ils sont sectarisés. Ils sont partis dans un clan, ils se baladent dans la forêt pour aller chercher des petits crucifixes. C'est foutu maintenant. Ouais, mec, j'en ai marre de la vie, frère. Ramène-moi un couteau. Ramène-moi un couteau que je me taille les veines. C'est vrai, Kamel, tu touches mes cheveux, je vais te tuer. Ouais, c'est bon, là. Là, je pense que c'est pas mal. Ça fait une petite mèche archi stylée. Allez, on va le chase. Oh, flemme. J'ai pas envie de courir, c'est chiant de courir, mec. C'est trop chiant de courir. Je comprends pas pourquoi les gens ils aiment courir. Mais en plus je me fais victime. Ça c'est les groupes de cons. Ils viennent et ils me gankent à 5. Ah. Et en général, les émos, tu vois, ils sont pas mal agressés. Donc, du coup, ça leur rappelle leur. Là, ça rappelle les mauvais souvenirs, putain. Ah, non, pas les fesses. Non. Non, monsieur le noir. S'il vous plaît. Oh, bien joué. Bon, allez, on va jouer, les gars. Je suis marre, là, c'est bon, ça m'a. Ouh. Comment faire? Donc que vais-je prendre? Allez, c'est bon. Allons-y. Ah mais là, mais non, mais là j'imite les mots, les potes. Comprenez bien.
Il va sauter le mur. Mais Vorace, faites quoi là? Mais vous avez pas dit. Mais mangez tous vos morts ça. Qu'est-ce que c'est? Mais non les gars. Mais pourquoi ils font ça? Oh bien joué le cancel. Voilà. Voilà, ça c'est ça, bande de chiens. Voilà, vous le paierez tous. Mourez. Mourez des mains de Satan. Le mec il devient possédé carrément en live. Bourré en live. OMG. Putain, voilà, ça c'est les frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est... Ah, c'est full tiltant. Full tiltant parce que j'avoue que le moment où je reviens sur ma top lane et qu'ils arrivent à 4, il n'était pas prévu. Mais genre, pas du tout prévu. Donc 3-1, tout. 3-4, une fin sardoche. Ouais, j'avoue. Terrible. Les misplays. Après, bon, pour le coup, vous avouerez que les décals de la bot lane sur la top lane à multiples reprises, je m'y attendais pas. J'avais pas trop prévu ça. Allez, attends. Allez, fuis. Hop les. T'es pas aimé, ça va, si, ça va. Les gens m'aiment bien en général. Il y en a quelques-uns qui m'aiment pas, mais en général, c'est plutôt les enfants qui sont là, qui sont en mode. Oh non, pas drôle. Lui, il dit pas caca. Non. Mais du coup, ça va. Genre, je préfère que les personnes un peu plus âgées, m'apprécient et que les jeunes ne m'aiment pas, tant pis, tu vois. Au bout d'un moment, ils grandiront, ils comprendront la vie. Mais vu qu'on a une communauté très jeune, je suis bien entendu loin d'être celui qui est le plus aimé de la boîte, tu vois. C'est normal. C'est normal, y'a pas de soucis. Je le vis très bien. Oh, les bons dégâts. C'est bon là, lui encore. Qu'est-ce qu'il. Pourquoi Mesmerizer, c'est un top laner, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Mais. Mais pourquoi? Mais non! Mais ça casse les couilles ça! Mais je vais pas prendre des bottes de lucidité, ça me sert à rien. Je vais autant prendre des petites mercures. Ce sera bien. Là je vais faire ça. Oh what the fuck! Mec! Pourquoi ils sont 22 sur la top lane? Ce n'est pas censé arriver ça! Voilà, nice, nice. Allez, c'est toujours. C'est le chaîne qui tank la tour donc c'est chiant. Au top, ils sont en train de full push. Il va mourir, c'est bien. Il va mourir. Merci. Et donc là c'est le moment où je dois def. Ah mais là il peut me combo, je peux pas def tout seul les gars. Ça va, on a pas mal esquivé le petit combo. Please, they are 27 top every team. Ah ouais. C'est dur. On était bien dans la game là depuis le début. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 22 au top. C'est très embêtant. Donc Lucian serait mag, non je pense pas, ça m'étonnerait. En tout cas j'espère pas parce que sinon ça me ferait chier et je comprendrais. Mais c'est chiant. Oh. Oh il m'a cassé. No, you don't. Mec, depuis tout à l'heure ils groupent, si seulement on s'était groupé une seule fois, on les aurait eu. Parce qu'on comprend depuis tout à l'heure comment ils jouent. Ils ne font que faire des putains d'engage tout le temps à se regrouper à 5. Donc forcément ça marche bien. Mais seulement nous à un moment on est 5, on les def. Genre vraiment on les def de ouf. Il va pas venir. C'est une fusée mais bon. C'est pas mal mon dégât. En route. Nice, bien joué. Moi je dois pas go comme ça. Moi je dois attendre un peu. C'est très bien ce qui se passe. Ok, lui il est con. Ok, bah, c'est moi qui est con. C'est moi qui suis con, mais c'est pas grave, c'est bien. Tu l'es. Enfin, mec, le chien il tank tellement. Oh. Ah non, c'est pas bon du tout. Le chien est très très bon. Enfin, le chien est très très bon. Il est très très tanky. Cours. Nice, dommage. La QSS, fuis. Fuis cher ami. L'ignite, dommage. Donc là on a grid comme un connard. On s'est dit bon, peut-être qu'on peut rentrer dans le tas. J'ai vu le Zach rentrer, je me suis dit ça le fait. Sauf qu'en réalité pas du tout. Putain, Jin il est bien en plus. Le pire c'est qu'il pourrait faire très très mal. Mais contre ce chaîne j'ai l'impression qu'il peut rien faire. C'est terrible.
Oh là là. C'est dur, c'est dur. C'est dur de rester focus quand on est un émo. Et j'avoue que VS Azir c'était un peu compliqué. C'était très compliqué. J'ai mon flash. J'ai mon flash en plus. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais des fois. Ok. Ok, je vais aller top. Je vais essayer de prendre un peu d'XP. Donc je vais jouer normalement comme tu dois jouer un top laner. C'est-à-dire essayer de dominer ta lane et de push ta lane. Parce que là j'étais en mode je groove dans la map un peu de manière un peu aléatoire. Et c'est pas ce que vous devez faire. Ok, faut que j'arrive à prendre mon level 15 au moins. Parce que là le chêne est déjà level 15. Alors qu'il a pas fait grand chose en réalité. Il a juste joué le chêne, c'est-à-dire farm sa lane. Et ensuite ultimate. Et ensuite TP. Mettre un bon taunt sur la bonne personne. Et c'est bon. Au final ça marche donc c'est bien. Mais c'est pas beau jeu. Et surtout, il a reçu pas mal d'assistance dans la top lane ce bâtard. Et donc ça c'est un truc qui est très tiltant. De voir un chien qui n'est pas bon arriver avec toute sa team top 2-3 fois, me tuer 2-3 fois alors que je démontais totalement. Et ensuite le voir faire le beau. Donc là en groupe on les défonce. Ah mais on était censé les défoncer. Parce que là je sais pas du tout où ils sont. Et ça pourrait me faire chier. Cours si vite. Lucien est en train de monter encore une fois. Salut à toi deuxième top laner. Je te vois, je ne sais pas si tu es sur le stream. Mais si tu es sur le stream je te dis bonjour. Et je te fais un doigt. Parce que tu casses les couilles. Donc tu joues Riven, tu es impur. Oh là, restons calmes. Tu vois les mecs qui disent que Riven c'est impur, c'est les moutons en général. C'est les mecs qui ont pas pris le temps d'essayer de jouer Riven. Et qui sont juste fait soulever par manque de niveau. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut réfléchir par vous même chers amis. Ne pas être un mouton de la société. Dommage. Y'a moyen là, y'a moyen de faire un truc. Ok, pas moyen. Par contre top, moi il faut que j'arrive à défendre. Parce que Lucian va push, ça va être chiant. Ah mais il est fed. Putain il est avec Shen là. Moi je peux pas défendre tout seul les gars. Sachez-le. Oh, les gars. Moi tu vois là je suis sur le bon timing. Bon timing de défense. Mais ma team ne l'est pas. Tiens, tu manges tes morts. On est bien content. On est très très content. Par contre bot lane maintenant c'est en train de push. Ils sont en train de mettre des splits un peu partout, ça casse les couilles. Moi je vais me faire cancel par ces putains de creep de merde. Ah. Donc là Lucian je pense qu'il était pas prêt à ça. On lui a mis un gros fast combo. C'était bien, c'était bien. Mais bon, ça ne change pas. J'ai fait une danse devant la ward carrément. Que puis-je faire? J'ai mis une Trina mais Riven c'est clairement OP. Oh là là, réveillons-nous les bronzes. Pour dire que Riven c'est OP en 2016. Encore j'aurais dit en 2014. Oui, c'est vrai. Mais en 2016, quand même. Quand même. Ils font les beaux. Ils ont pris déjà toutes les tours donc c'est très très chiant. Je vois pas ce qu'on peut faire là. On a détruit une toile, ouais nice, j'ai Janu. On a toujours pas pris la terre mid hein. C'est un souci. C'est un énorme souci. Attends, par contre là c'est chaud. Là c'est chaud, j'arrive. Normal, normal. Oh je me suis fait taunt. J'ai trop le seum. Oh, je suis tot, trop chiant. Oh, il s'est envolé sur moi. La fusée. Allez. 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 Oh non. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Jean. Oh, Jean. Mais qu'est-ce que tu brôles? 10 boosted up. Oui. Oh là là, mec. Il vient nous faire un move qui était absolument répugnant là. Ils sont tous morts. On a perdu là. On a perdu sur ça, vraiment. Please, what the fuck? Ah, un Imba va réapparaître. Je pense qu'ils peuvent finir. Ils peuvent finir assez facilement. Allez, Thresh, défends ça.
Il y a un inhibiteur qui réapparaît. Le deuxième va réapparaître du coup, non? Ah, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Quel dommage, quel dommage. Oh là là. Sur ce teamfight, on était bien. On a réussi à mettre un bon flash in sur 3 personnes. Malheureusement, j'ai pas réussi à balancer mon ultimate au bon moment. Du coup, c'était un 4v5 au début. Qu'on a pas mal remporté. Et derrière, il y a eu un Jin qui est juste parti. Qui a touché absolument aucune de ses balles. Qui aurait pu faire la diff. Mais bon. Dommage, la game était cool, je me suis bien amusé. On a perdu quelques games aujourd'hui, c'est pas grave, on les remportera une prochaine fois. On a eu un Jin qui, même s'il a choqué un peu, a fait mal. Sur sa phase de lane, il était correct, il était même très bien sur sa phase de lane. Mais derrière, c'est pas ce que l'on demande à Jin. Jin, ça doit faire la diff en teamfight, et malheureusement, ça a un petit peu glissé. Donc on a fait un petit 7-7-0, ce qui est correct, ce qui n'est pas dingue, mais bon. Honnêtement, c'était fun, donc c'était le plus important. J'espère en tout cas que vous appréciez cette petite game pour tout ce qui est présent sur YouTube. Je vous invite à vous abonner pour ne pas se suicider, voilà, parce qu'être émo, c'est nul. Et se trancher les veines, c'est encore pire. Donc ne le faites pas. Sur ce, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, des bisous. Alors...